Bonjour, alors aujourd'hui j'aborde le sujet du parfum. Très rapidement, c'est sûrement des sujets sur lesquels je reviendrai dans des vidéos un peu plus longues, mais là pour mon défi d'une vidéo par jour, je trouve que voilà, je vous fais suivre un peu les quelques petites choses que je fais actuellement. Et entre autres choses, je suis en train de voir et j'aimerais vraiment n'avoir que un parfum. Ce qui s'est passé, c'est que, comme beaucoup de filles, je regarde les vidéos YouTube, etc. Et j'étais toujours très admirative des filles qui avaient toujours plusieurs parfums, tout ça, qui disaient qu'elles prenaient un parfum selon le jour, je sais pas quoi. Et évidemment, ça m'a fait un peu rêver et ça m'a fait consommer. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que voilà, j'ai consommé alors que je n'avais pas de besoin réel. Donc, sur le moment, ça m'a fait plaisir, bien sûr, mais aujourd'hui, dans mon approche minimaliste, j'ai vraiment à cœur de n'avoir qu'un parfum et qui me correspond, qui correspond à ce que je suis. Je trouve que c'est très, très difficile, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est extrêmement difficile de trouver le parfum qui nous correspond. Donc voilà, et en plus de quoi, comme je suis sur des sites avec des prix cassés, etc. Et bien souvent, ils proposent des parfums à vraiment des prix très très intéressants. Donc, j'en ai pas 50, hein, je vous rassure, mais voilà, je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'essaye de trier, de savoir que faire, quoi faire avec mes parfums, parce qu'en fait, je ne veux pas du tout garder tous ces parfums. J'aimerais n'en choisir qu'un. Donc, ce que j'ai fait, c'est de demander à mon mari de les sentir et de me dire lequel il pense qui me correspond le mieux. Moi, personnellement, autant vous dire que je n'en sais rien. Je n'ai vraiment pas d'avis tranché là-dessus. Ça, c'est pas un parfum, mais je trouvais ça. C'est vrai que c'est assez marrant. C'est une sorte de bouteille à parfum, mais avec ce truc-là, c'est un peu à l'ancienne, c'est très sympa. Bref, c'est encore un petit truc qui en réalité ne sert pas grand-chose, mais bon. Donc voilà, donc en fait, je ne sais pas du tout quel parfum choisir. Enfin, je vais faire un choix, mais pas à cet instant même. A priori, ça serait celui-ci qui me correspond le mieux selon lui. Mais voilà, je vais faire un choix, je l'espère assez rapidement, et j'aimerais vraiment trouver le parfum qui me correspond et garder toujours celui-ci de manière fidèle. Voilà, voilà, tac tac, je retourne ma caméra. Voilà, donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis et si vous avez trouvé le parfum qui vous correspond et que vous n'en changez pas. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous.